Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Uncharted 3. Et je voulais vous dire aussi, si vous m'entendez beaucoup boire pendant cette vidéo, c'est parce qu'il fait très chaud à l'heure actuelle. Enfin pour moi il fait très chaud, hein. Donc là sincèrement je me retiens de pas mettre le ventilateur parce que sinon ça ferait du bruit pendant la vidéo. Bon bref, j'ai hâte de raconter ma vie. On continue Si vous voulez Uncharted. suivre la piste de Francis Drake, il faut aller dans le vieux quartier. Ça, le nouveau quartier? Oh, tout est relatif. La ville a été fondée il y a au moins 3000 ans de ça. D'accord, passe devant. Pourquoi ils se sont arrêtés par contre? J'ai pas compris. Bon, là, vous voyez cette tour devant? Voilà où commence la vieille ville. Il faudrait qu'on aille jusque là-bas. Ok, no problemo. Salam. Pas moyen de prendre des... Ok, par là. Je vais prendre des fruits. Bon, vous allez devoir vous tenir à carreau. Oui, madame. Non, je suis sérieuse. La police patrouille absolument partout et vaudrait mieux éviter d'éveiller les soupçons. T'as compris. On va traverser le marché. Ah oui, c'est vrai, on était venu en... péninsule arabique. Mais c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Parce que du coup, cet épisode n'a pas été tourné à la suite des autres. Bonjour, toi. Mais sûr. Ok, visiblement, ils ont bloqué la rue. Je vais voir ce que je peux faire. Vous deux, vous restez là. Elle l'a encore sur elle. Elle n'a cette tête de con. Apparemment, ça peut être utile dans ce coin du monde. Ça veut dire quoi? J'en sais rien. Alors? Bon, ça le fait pas. Il laisse passer personne. Hé, hey, venez par là. Il y a un autre passage. Oui, c'est par là. C'est pas arrivé. Ça fait bizarre, il n'y a pas de bras ni rien. Attendez-moi les copains. Il n'y a pas moyen d'interagir? Non, d'accord. Merde, c'est fermé. Ça va pas être fermé longtemps, je vais te balancer une petite grenade. Merci. On a de la chance de t'avoir. Ouais, sans blague. Super, des flics. Ouais, c'est pas non plus par là qu'on va passer. Va falloir trouver un autre passage. Hé, hey, là-haut, il doit y avoir un autre passage. En tout cas, il y a une fuite d'eau. Ça va, vous deux? Ouais, j'arrive. Allez, on fait que passer. Ça va le faire. Évite de casser un truc. Trésor ici. Ah, et puis on n'est pas armé. Chaud. Voilà.
Tu vois, en bas. Ces bâtiments avaient des milliers d'années, même quand Francis Drake était en vie. Exact. Il y avait. Hey, Nate. Hein? T'as le mot. Qui? Il a le carnet de Cutter. Quoi? Attends, Charlie Cutter? Oui, pas le temps. Sully va t'expliquer. Attends un peu. On se voit en bas. Bon bah ça c'est réglé hein. Ah attendez faut peut-être. Ah voilà elle est en face. Ça va tomber hein. Non? Même pas. Allez, ça repart sur une petite baston. Salut les gars. Mes tortures. Hop. Oh, et lui il se prend des coups. Trophée obtenu, casseur de brut. C'est stylé ça, attendez. Tiens, j'espère qu'elles seront bonnes. C'est beau, vous inquiétez pas, hein. C'est ça rien, je me suis fait attaquer, c'est que dalle. Par ici. Vite. On fiche le camp d'ici. Hé, par ici. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? C'est qui ces types? Et qu'est-ce que Charlie vient faire dans tout ça? Il travaillait avec nous sur ce coup. Travaillait? Il est pas mort? Non, lui et Chloé. Quoi? Chloé aussi? Ouais, mais ils ont dit stop quand Cutter s'est cassé la jambe. Il s'est cassé la jambe? Il aurait pu se casser le cou avec une chute pareille. Et il va bien. Entre ça et être brûlé vif, moi aussi j'aurais sauté. Tu t'enfonces. Bon, dites-moi juste ce que vous êtes vraiment venu chercher. Bah... ça? Approche. Sully, viens voir. On les a semés. Dis-moi tout. Eh bien, je crois qu'on a trouvé notre entrée secrète. Merci pour le coup de main. Hein? Moi, je descends pas sans être équipé.
Va voir le marchand de tapis qu'on vient de croiser. Ah non, je pensais à des armes. Il est pas vraiment marchand de tapis. Oh, j'y vais. Hé, vieux, fais attention à toi, hein. Ouais. Bon alors, c'est quoi tu m'as menti sujet de Sully? Ces types font pas des recherches historiques, et toi non plus. Ça a à voir avec cette Marlowe, hein? Oui, mais... regarde un peu ça. Je l'ai enfin trouvé. Et c'est ce que je disais. Ça... menait à ça. Et ça... à ici. Un trou dans le sol. Oui, bon... il n'y a plus glamour. Allez, admets-le. T'aimes l'aventure au moins autant que moi. Non. Non, plus maintenant. Vraiment? Ah, ok, alors. Tu devrais peut-être t'en aller. Oh, moi? Moi? Que je m'en aille? Très drôle. Des fusils? Bah ouais. Ah, mais... quoi? Il y en avait que deux. Super. Bon, aidez-moi à pousser ça. D'accord. Ouais. C'était épuisant. Ouais, pas mal. Quoi? Parce que c'est la pluie. On y va? Hé, les gars, une entrée secrète pour aller où? Y a quoi là-dessous? Y a qu'un moyen de le savoir. T'esquives ma question. Tu t'attendais à quelque chose d'autre? Ce qui est comme en haut et en bas. Non, ce qui est comme en bas et en... non, je dis plus que c'est le titre. Ok, c'est bon. Allez, on descend. Hey, c'est juste un réservoir, petit. T'es sûr que c'est le bon endroit? Oui, ça peut être ça. D'abord, qu'est-ce que Sir Francis était venu faire jusqu'ici? Il menait une mission secrète pour la reine Elisabeth. Ouais, on trouvait la cité d'Uba. Ouais, l'Atlantide des Sables. Ici? Sous cette ville? Non, elle est au milieu du désert du Rub Al-Khali. Cet endroit nous indique comment le trouver. En théorie. Cet endroit me dit quelque chose. Attendez, c'est ce que Francis Drake avait dessiné au dos de la carte. Oui, regardez, ce sont les mêmes piliers. C'est ça. Francis Drake a dû dessiner ça quand il était là. Ça dit comment trouver l'entrée? C'est pas évident, mais je pense que je peux trouver. Ces trous doivent être importants. Je suis sûr qu'il faut qu'on trouve les bons. Et comment on va le trouver? Mais il y en a plein la pièce de ces trous. Il doit y avoir un autre indice. Cherchez, on a dû louper un truc. Ok, Ah, oh, attendez. Hey Nate, ça, c'est de l'énotière. Un message inscrit sur le mur par ici. Drake a dû laisser ça. Tu peux le déchiffrer? Je vais essayer. Je vais marquer ça sur la carte. Tu vas écrire sur la carte de Sir Francis qui a 400 ans. Quoi? Ça le dérangerait pas. Attends, effet spécieux. Voilà, ce que j'entends pas beaucoup, les dialogues en fait. Je vais me balader un petit peu comme ça.
Il y a un genre de levier ici. J'avais pas fait gaffe à ça, attendez. Regardez sur la carte, il y a la lune qui est entourée. Je vais peut-être chercher un pilier avec des lunes. Non. Une idée peut-être ? Eh ben, il a marqué trois des piliers, donc j'imagine qu'on doit tirer trois leviers. Au même moment ? Pas question de mettre ma main dans un de ces trous. Bon, allez. Il faut tous qu'on tire ces leviers en même temps. Ça n'a pas l'air de marcher. J'essaie d'aligner la carte avec les piliers de cette salle. Faut trouver le bon endroit. Je dois juste trouver le bon endroit. Essaie de monter sur ce symbole de lune. Ah ouais, il est peut-être par terre le symbole de lune en fait. Parce que moi je cherchais sur les piliers mais... C'est... Peut-être par terre. Sully, où est-ce que tu l'as vu le symbole de lune ? Qu'est-ce que tu essaies de faire ? J'essaie d'aligner la carte avec les piliers de cette salle. Faut trouver le bon endroit. Je dois juste trouver le bon endroit. Il y a un symbole gravé sur le sol par ici. Donc si je me mets là... C'est ça, Sully, va sur cette colonne. Elena, prends celle le long du mur au fond, et moi celle-ci. Bon, enfoncez votre main et trouvez le levier. T'es sûr ? Je crois qu'il faut qu'on tire tous en même temps. D'accord, mais si t'as tort. Ouais, je l'aime bien cette main, Nate. Je l'utilise tout le temps. Allez, vas-y. 1, 2, 3. T'es certain que c'est le bon levier ? Écoutez. Qu'est-ce que je disais ? J'y crois, ça marche. Ouais. C'est incroyable. Ah, ok. Alors, pourquoi garder ce secret pendant des siècles ? Qu'est-ce que la reine Elisabeth voulait que Derek trouve ? On sait pas vraiment. Un trésor, j'imagine. Quoi d'autre ? Une richesse enfouie d'une civilisation perdue. Bien sûr, c'est jamais aussi simple, pas vrai ? Rarement. Et ces enfoirés, en costume noir, ils recherchent la même chose, j'imagine. Ouais. Ah ! Non, je suis pas d'accord, vous ouvrez cette porte. Y'a quoi le tout, y'a rien, bah oui, c'est que de la pierre, je suis bête. Donc, c'est joli par terre. Bon, bah on va aller par là, écoutez. Hein. Sans que ça se referme derrière. Ah ouais, mais y'a que des statues flippantes ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces symboles ? J'ai jamais rien vu. Je sais pas, je dirais une sorte de mécanisme. Quelqu'un a dispersé les engrenages dans la salle. What? Ok, d'accord, va falloir que je les mette au bon endroit, les engrenages. Hé, hey, un autre engrenage sur cette corniche, là-bas. Oh! Ah non. J'ai rien dit. Ah bah si, peut-être en fait. Comment il s'est retrouvé tout là-haut ? Il doit y avoir un autre passage. Et bah Nate, regarde. Voilà, c'est ça, il y avait des escaliers ici avant. Tu vois, là ça se voit au niveau des murs et il y a des restes.
Ah bah ici non. Ouais, pourquoi faire simple? Enfin, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple plutôt? Cet écran décode les images. Tu vois quoi? Bon, il y en a un qui ressemble à une croix, et l'autre à quatre cercles. Eh, hey, il y a le même symbole sur d'autres engrenages. Les symboles ont l'air de tourner dans des directions opposées l'une à l'autre. Ok, et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Intéressant. Tout s'explique. Trouver la solution, Houston. Non, pas toi. Toi, tu dégages. Voilà, donc c'est toi qui va là. Ensuite, avec une croix dessus. Voilà. Et l'autre, voilà, c'est tout aussi bête. Attendez, je vais juste voir ce qu'il y a par là avant. Ok, c'est une porte. Voilà, ça elle était assez simple cette énigme. Ouais, de l'eau. T'es sûr que c'est le trésor qu'il recherche? J'en suis pas sûr, non. Y a encore une énigme pour ouvrir cette porte ou pas? Je pense que oui, hein. Ouais. Et oh! Trésor. Ah bah non. Ouais, il y a une énigme par soldat. Ok, d'accord. Okay. Tous ces morceaux de corps accrochés, là c'est carrément glauque. Il y a pas l'option je me casse d'ici? Non. Attendez-moi ici, je jette un œil. Ah non, il y a pas l'option. Non. Oh, c'est glauque. Salut, passe-moi ton briquet. Ok, le voilà. Ah si, c'est bon.
Ok, ça l'a pas fait. Ok, ça a pas marché non plus. Pas ça non plus. Ok, ça a pas marché non plus. Pas ça non plus. Comment ça va, Pete ? Je crois qu'il faut que j'aligne ces morceaux de statue avec la peinture murale. Alors tu penses que sous le bon angle, tout ce truc aura un sens ? C'est ce que j'espère. Je sais. Et du coup. Attendez, faut que je me décale un petit peu. Voilà. Ok, ça a pas marché non plus. What, c'est pas assez. Ah, oh, attendez, là ça devrait être bon normalement. Et donc les escaliers. Tu vois, tu t'inquiétais. Mais forcément les escaliers sont coincés. Donc c'est bon, elle est ouverte cette porte là. Allez. Vraiment dégueulasse les statues. Ok, Nate. Est-ce que Francis Drake a un jour trouvé la cité perdue qu'il cherchait ? Je crois pas. On dirait qu'il est arrivé là, il a fait demi-tour et il est rentré. Et il a rien dit du tout à propos de ce petit détour. Ouais. Et est-ce que tu t'es demandé pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais pas. Tout cet endroit, pour moi, c'est comme une sorte de... d'avertissement. Elle a mis un petit peu de temps à venir, Elena. On suit lui aussi. On dirait un brasero décoratif. Je prends la torche parce que je sens qu'on sera attaqué par des araignées encore. Eh ben ça alors. Waouh. Là-haut, comme ici bas. Sully, on dirait une sorte de carte du ciel. Ah, c'est logique. Les Arabes se dirigeaient dans le désert en suivant les étoiles, tout comme les navigateurs. C'est vrai. Donc grâce à ces constellations, tu pourrais trouver la cité perdue ? Ouais, si j'avais un sextant. Tout ce temps passé dans la marine n'a pas été inutile. Je pensais que t'avais passé ton temps à chercher la poule sacrée. La quoi ? Peu importe. Hé hey. Tu penses que tu pourrais mémoriser ça ? Bah, ouais, mais... on va noter tout ça, plutôt. Non. C'est pas une bonne idée. Mais les gars, regardez. Ah. Bon. C'est... sympa. Vous entendez ? Oh, oh.
Oh non. Et c'est quoi ça? Éloigne-toi du mur. Lâche pas cette torche, Drake. Oh merde! Celles-ci sont bien plus agressives! Merde, le feu a pas l'air de beaucoup les gêner! Continue d'agiter la torche! Elena, ton fusil à pompe! Qu'est-ce que je fais? C'est le moment de se tirer! Bon, restez bien derrière moi! Oh! Enfin, c'est pas ma phobie les araignées, mais je déteste ça. Et bla, même pas ça. Enfin, j'en ai pas une phobie, hein, mais... Continuez de tirer, dégagez, dégagez. Derrière toi, petit. Même toi. Continuez. Il y en a partout. Sully, continue de tirer. Attendez, est-ce qu'ils sont... Est-ce que moi, si vous voulez, j'avancerai pas tant que... Ah ouais, mais eux ils ont rien aussi quand ils passent dans les... Hey, donne un coup de main. Ça bouge pas. Je peux peut-être l'ouvrir de l'autre côté. Repousse-les avec ce truc. Et Elena de ce côté, fais ce que tu veux. Comment ça va, Elena? Elena, ça va là-bas? Sully, il me faut des balles. Devant, petit. Sully, je les veux maintenant. Allez, ouvre la porte. Non. Repousse-les avec ce truc. Est-ce que tu peux? Comment ça va, Elena? Elena, est-ce que ça va? Sully, il me faut des balles. Une seconde, petit. Sully, je les veux maintenant. Allez, comment ça se passe? Moi, je l'ai trouvé. Allez, ouvre la porte. Allez, dégagez de là, sale bête. Je les ai assez vus, ces putains de bestioles. Vous étiez au courant? Et vous comptiez me le dire, hein? Hé hey. Regardez ça. Ne laissez pas le monde vous tromper par sa beauté. C'est l'illusion d'un rêveur. Un mirage dans le désert. La coupe de la mort sera remplie pour vous. C'est charmant. C'est en anglais. Ouais. Ça doit être de Drake. Ok, alors pour résumer tout ça... Drake fait des milliers de kilomètres à la recherche de cet Atlantis des sables. Et une fois arrivé ici... Ce qu'il trouve suffit à lui faire rebrousser chemin, rentrer chez lui, et cacher toutes les preuves de son voyage. Exact. Mais toi, tu vas continuer, pas vrai? Ouais. Et pourquoi? Un trésor? Sully, tu peux le raisonner. Dis-lui d'arrêter. Oui, Sully, viens, arrête-moi. Mais c'est quoi votre problème? Allez, Elena, on plaisante. Écoute, t'as gagné, ok? Tu l'as dépassé.
sais où est la cité. Et Marlow, non. Pourquoi ça ne suffit pas? Il aime peut-être finir ce qui commence. C'est peut-être pour ça. Et ça sent le guet-apens quand même. On va se faire attaquer. Hein. Ah ouais, non mais lui par contre... non c'est mort, je vous suis. Hein. J'y vois rien, Sully, tu vas bien? Ça se décide pas. Oh merde, je vois rien du tout. En plus, il avait un gun. Ah ouais, il était là, ok, d'accord. Mais sérieux, c'est quoi ce focus là? Attention! Mais ouais, mais il me focus aussi lui là! Oh bah lui, oh bah lui! Ah bah lui, c'est une affirmation, il est mort. Ah ouais, non, là, je vais mourir. Bah, je voulais tester. Attendez, et en les attendant. J'y vois rien. Julie, tu vas bien? Ouais, non, c'est mort. C'est même pas la peine d'y penser. Vous allez où, les copains? Rien.
Non mais il me fout deux coups de pied, je meurs, c'est une blague. J'y vois rien. Philippe, tu vas bien? Ouais. Ça se dissipe pas. Oh merde, je vois rien du tout. C'est normal que ça se dissipe pas, ils font que d'en envoyer. Non mais regardez, il me focus. Non, non, c'est mort, je meurs pas maintenant. Oh non. Voilà, t'y meurs. T'en vois d'autres? Faut pas me saouler, mon gars. On sort d'ici. Et comment on est censé faire? Par là, Nate. Je t'aide à monter. Ouka. Oh, il déterre. Il va falloir que je... Il va falloir que je fasse tomber la... l'échelle aussi, je présume. Bon, faites gaffe. Je vais faire descendre l'échelle. Ok, attention! C'est bon! Ok. Attendez, je veux juste boire un coup parce que je vous l'ai dit, il fait chaud. Voilà, désolé. Encore, je me retiens de boire parce que c'est pas trop poli, mais là j'avais vraiment encore le sèche. C'est bon? Voilà. Merci. Donnez-moi vos armes. On peut pas sortir avec. Ah, ok. Le plaisir est pour moi. Ok, je crois qu'on est bon. Allez. Il va falloir qu'on s'éclipse avant que d'autres se pointent. Bien, là-haut. Par là. Nate? Fuyez. Oh non. Allez, du calme, Nate. Arrêtez! Qu'est-ce qui lui arrive? Ils l'ont drogué. Quoi? Il faut qu'on l'éloigne d'ici. Viens, Fiston. Me touche pas! Ok. Non, ok, on veut juste aider. T'approche pas! Et c'est moi! Fichez-moi la paix. Oh non. Oh non. Restez calme. Alors c'est comme ça quand on est drogué? Venez avec moi. Oh bah j'ai pas envie de me droguer. Non, ne me touchez pas. Marlowe, attends. Non, non,
Non, non. Ce sera bientôt fini. Non. Non. Relax. Croyez-moi. Désolé. Ah ouais, c'est bizarre à mort. Salut. S'il n'est pas là, tout est entièrement démesuré. Ah, vache, ça te donne le vertige. Croyez-moi. Suivez-moi. Allez, par là, tiens. J'irai pas. Ah ouais, c'est bizarre à mort. Arrêtez-les, arrêtez-les. Non, non, arrêtez-les. Je ne les laisserai pas vous faire de mal. Où est-il? Bonjour, monsieur. Je sais pas. Donnez-les-nous. Je sais pas. En fait, je croyais avoir vu un trésor. Je sais pas. Je sais pas. Bienvenue, Drake. Je te conseille de ne pas faire le malin. Tu n'es pas en odeur de sainteté ici, tu te souviens? La grandeur des petits débuts. Derrière tes allures de dur, tu es toujours le même sale petit fuyard effrayé, n'est-ce pas? Laissez tomber. Derrière de moi. En fait... je pense te connaître mieux que quiconque, Monsieur Drake. Bien sûr, ce n'est pas ton vrai nom, hein. Mais ça nous importe peu. Une mère suicidée. Un père qui envoie son fils à la DAS à l'âge de 5 ans. Confié au pensionnat pour garçons de Saint-Francis. On nage en plein Dickens. Oh. Ne t'en fais pas. Elle ne nous intéresse pas. Sauf, bien sûr, si on doit vraiment te convaincre. Qu'est-ce que vous voulez? Non. Même si c'est difficile à admettre, j'ai besoin de toi. Pour trouver Victor Sullivan. C'est ça. Nous sommes déjà au courant qu'il a les coordonnées pour trouver Ira. Comment vous le savez? Tu nous l'as dit, Nathan. Ta loyauté n'est donc pas aussi inébranlable que tu le penses. Et la sienne? Hein? Mais... vous insinuez quoi? Rien. C'est juste... eh bien... ça commence à faire un petit moment que tu es parmi nous maintenant. Et il ne t'a pas été d'un grand secours. D'ailleurs, il ne t'a pas non plus sauvé à Carthagène. Il t'a juste vu comme un filon à exploiter. Je sais qu'il manipulait. Crois-moi. Victor ne pense à rien d'autre qu'à Victor. Et ça ne changera jamais. Je m'en suis aperçue il y a 20 ans. Je suis surprise qu'il t'ait fallu autant de temps pour t'en rendre compte. Vous perdez votre temps, ma chère. Très bien. Mais réfléchis. Quand il t'a recueilli dans les rues de Colombie il y a 20 ans de ça, t'a-t-il sauvé de cette vie? Ou t'a-t-il condamné à celle-ci?
Excellent. Bien. Nous savons où est Sullivan, à l'autre bout de la ville. Je suis navrée, Nathan. Il semblerait que tu ne fais plus partie de l'équation. J'ai repris ma manette d'un coup. C'est ça qui va m'arrêter, mec, hein. Bonjour, poussez-vous. Ah non, on peut pas lui pousser, c'est dommage. Je lui m'amuse un petit peu. Ah. Suivre par en bas, écoutez. Ok. Par contre, Nathan, il est vraiment chaud là. Non ! Mais genre, le flic, il meurt pas. Hein ? Genre. On a entendu le mot police. La police, ils ont des AK là-bas, bah dis donc. Je vais pas y aller là-bas. Ok, ça a l'air un petit peu longue la course poursuite. Je vais me faire passer si je reste là. Bonjour, excusez-moi. Surprise, motherfucker. C'est bon, j'enchaîne, moi, regarde. T'as cru t'allais m'échapper ou quoi? Puis il se barre. Allez, viens! Voilà! Où est-ce qu'il est passé? Passer là où il y a du monde. Je vais passer là où il y a du monde.
C'est... Bah ouais quoi, c'est une obligation. Oh ouais, trop de monde ici. Je l'ai vu, mais... Je... Non, je l'avais vu. Bonjour, petit morveux. Allez, Talbot, je perds patience. Ah, j'ai une bonne endurance quand même. Ah ouais, non, fallait tourner en fait. Ah, je crois, ouais, c'est ça. Mais avance! What? Ah, avec des centres, carrément. Ah, ça doit faire mal ça. C'est... Tu me reconnais, Ramessès? Tu me dois une fière chandelle, mon ami. Ok. Merci. Sérieusement, l'anglaise m'a payé pour que je me débarrasse de toi. Mais moi, je suis un type en or. J'ai préféré te sauver la vie. En ce moment, je suis sûrement ton seul et unique ami. Ah. Et maintenant, tu penses que j'ai une dette envers toi, c'est ça? T'es intelligent, ça me plaît. Et t'as toujours une longueur d'avance. J'aimerais te poser une question très simple. La cité perdue d'Iran. Bien sûr. Où elle est? Je sais pas, mec. Tu mens. Écoute, même si je savais, ma vie vaudrait plus rien une fois que je l'aurais dit, pas vrai? Tu m'insultes. T'es un pirate. Et un homme d'affaires très doué. Tu me dois le respect. On recommence du début. Où est Iran, Nathan? Tu peux me torturer autant que tu veux. Ok. Mais je peux pas te révéler ce que j'ignore. Peut-être bien. On n'a qu'à voir si ton ami est plus coopératif.